Eh bien, chers élèves, comment s'est passé ce premier contact avec la magie de niveau 3? Ça a été dur. Oui, et c'est exactement ce à quoi vous serez confrontés si vous travaillez au DIM. On doit faire preuve d'imagination. Être prêt à faire face à tout ce qui se présente. C'est tout à fait ça, Imogen. Mais si ça avait été un vrai test, vous auriez tous échoué. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Un milkshake fraise avec deux boules de glace. Fais pas cette tête-là, tu vas finir par faire fuir mes clients. Tu sais à quel point je voudrais travailler au DIM? Non, je savais pas, tu m'en as parlé au moins un million de fois. Eh ben, à ce rythme-là, le seul travail qu'on me confiera, ce sera de laver les sols. Hé, je passe la moitié de mes journées à laver le sol, je te signale. Je devais attraper un taquin, mais j'ai pas réussi. Un taquin? Un objet magique d'entraînement. Il est super rapide et vraiment très difficile à attraper. Faut pas qu'il te voie quand t'es près de lui. Là, tu le vois. Hé, mon milkshake, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu le vois plus. Il faut que tu m'apprennes à faire ça. T'es sûre que tu veux apprendre à faire de la magie de fée? S'il te plaît. D'accord, je crois que j'ai appris à faire ce truc. En fait, je sais plus. J'ai bien dû l'apprendre un jour. Et tu me rends pas mon milkshake? La tornade, c'était ma faute. J'ai trouvé ceci dans la bibliothèque. Et regardez, je me suis rendu compte que la forme des clés correspond parfaitement aux marques qu'il y a sur le corps du cobra. Désolé, professeur. On le savait déjà. Vous connaissiez cette photo? C'est elle qui nous a menés au journal de Magnus. J'ai cru qu'utiliser la magie sur ces clés permettrait de découvrir leurs fonctions. J'ignorais totalement qu'il y avait une connexion entre toi et ces clés. Et qu'elle était aussi forte. Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Moi non plus, je comprends pas cette connexion. Si nous voulons éviter d'autres incidents, nous devons découvrir pourquoi tu es connecté à elle. Est-ce que c'est parce que c'est une triêtre? C'est possible. Mais ça pourrait aussi avoir un rapport avec ta magie de l'orbe. J'aurais préféré ne jamais avoir cette magie. C'est une malédiction. Une malédiction avec laquelle tu vas devoir vivre. Parce que comme l'orbe a été détruit, il n'y a aucun moyen de te l'enlever. On doit quand même bien pouvoir faire quelque chose. Kira, tu m'as dit que c'était comme si le cobra essayait de te transmettre un message. Oui, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Eh bien, il se trouve que votre nouveau professeur est l'une des grandes spécialistes de la magie asiatique. Elle pourra peut-être nous éclairer. Vous voulez qu'on lui raconte tout? Et si elle nous dénonce au DIM dans la foulée? Je veux pas qu'une autre personne de la classe ait des ennuis. Apinia est une amie de longue date. Je suis sûr qu'elle est capable de garder un secret. C'est un recueil de sortilèges de fées, ça, non? Pour travailler au DIM, il faut sortir des sentiers battus. Et du coup, tu t'intéresses à la magie des fées? Je veux juste apprendre à faire disparaître un objet dans un autre. C'est de la magie de fusion. Même pour les fées, c'est une compétence rare. Moi, j'y arrive pas. Pour impressionner Apinia, c'est plutôt une compétence rare des elfes que tu devrais étudier. Je veux savoir en quoi la magie des fées est si difficile. Pour commencer, elle est beaucoup plus compliquée que la magie des elfes. Prouve-le-moi. Je vais apprendre la magie de fusion et toi, une compétence d'elfe. Laquelle, par exemple? Eh ben, faire des farces. Facile, je peux faire des farces sans utiliser ma baguette et les deux mains derrière le dos. Très bien, j'apprends ta magie et toi la mienne. La première qui y sera arrivée avant demain même heure aura gagné. Marché conclu. Elle te provoque, Lily, ne rentre pas dans son jeu. Marché conclu. Que la meilleure elfe gagne. Faire des farces. Oh, tu bois du thé, toi, maintenant. Cette horrible poudre instantanée qu'il y avait dans la classe commune de l'université a réussi à me faire renoncer au café à vie. Je ne suis pas sûre que tu sois encore autorisé à venir ici, Max. Oh, c'est juste que je me suis souvenu que tu avais un penchant particulier pour ces gâteaux. Des instants fondants. C'est délicieux. Eh bien, maintenant que tu m'as graissé la pâte avec ces pâtisseries... Dis-moi ce que tu veux, vraiment. Je ne sais pas ce qui est le pire. Avoir menti au DIM ou avoir mis vos vies en danger en vous lançant dans des quêtes magiques non autorisées. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée. Donnez-moi une bonne raison de ne pas aller vous dénoncer à Shun. Un cobra géant m'a poursuivi pour me transmettre une mission.
Les clés du temple veulent que ce soit moi qui les trouve. Peut-être parce que je suis une triêtre, ou parce que je possède la magie de l'orbe, ou peut-être les deux. J'en sais rien, je suis perdue. Il se passe quelque chose de très étrange avec Kira. Si on n'en trouve pas la cause, je crains fort qu'il y ait des conséquences. Cela n'excuse en rien ce que Kira et Dany ont fait. Vous m'avez dit l'autre jour que si j'avais besoin d'aide, votre porte me serait toujours ouverte. Comme Maxwell le sait très bien. J'adore résoudre les mystères. On s'y met dès demain matin. J'arrive vraiment pas à comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à faire des farces. Je crois pas qu'il y en ait réellement un. Je crois que c'est juste pour embêter les personnes non magiques. Mais c'est méchant, et c'est... elfique. Oui. Les fées ne feraient jamais ce genre de choses. Sauf que maintenant, tu vas être obligée de perdre ton temps à agir comme une elfe. Tout ça à cause d'un pari stupide. Je t'avais dit de pas entrer dans son jeu. Le guide des farces d'un jeune elfe. Exactement ce que je cherche. Le slimage. Je suis curieuse de voir comment ça marche. Et fusionne. Allez, fusionne. Salut. Comment ça se passe? Très bien. Tu avances dans tes farces. Je vois que tu as testé le slimage. Qui aurait cru que ce serait aussi simple et aussi amusant? Oui, je vois ça. Et toi, tu avances avec la magie de fusion? C'est pas un peu trop compliqué? Ah, je comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. C'est vraiment archi facile. C'est impossible. J'arriverai jamais à maîtriser la magie de fusion. Les sorts d'effets sont trop abstraits et poétiques. Et comment je peux savoir si c'est une chose qu'une elfe peut faire? J'ai besoin d'une baguette. Non, t'as pas besoin de baguette. Ce qui compte, c'est ce qui se passe là-dedans. Alors, aide-moi. C'est l'honneur des elfes qui est en jeu. Pourquoi je devrais me soucier de l'honneur des elfes? Moi, je suis une fée. Enfin, disons plutôt à moitié fée. C'est en tant qu'amie que tu dois m'aider. Fais attention, tu deviens sentimentale. Écoute, t'apprendras pas la magie de fusion dans un bouquin. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste... laissez mon intuition guider. Montre-moi, s'il te plaît, Taylor. Pour commencer, palpe la surface. Note tout ce que tu peux à son sujet. Elle est un peu froide et collante à cause du jus de fruits que Peter a renversé ce matin. Ensuite, imagine le bois sous la surface. Puis imagine que ta main pénètre à l'intérieur du bois. Toi, palpe la surface. Imagine le bois sous la surface. Imagine que ta main y pénètre. Ça fonctionne pas. Tu dois pas forcer les choses. Essaye de te détendre. J'arrive à traverser le mur de la bibliothèque, alors pourquoi pas ça? C'est un mur magique, ok? Ici, c'est différent. Essaye encore. J'arrive pas à le faire, ok? Merci pour tes conseils. Imagine le bois sous la surface. Imagine que ta main pénètre à l'intérieur du bois. Tu dois pas forcer les choses, ok? Essaye de te détendre.
y aller doucement, Kira. Détends-toi. Concentre-toi sur ta respiration. Maintenant, utilise ta magie de l'orbe pour établir une connexion avec les clés. J'ai réussi! Pas la peine de le crier au monde entier. J'ai réussi la magie de fusion. Je suis si fière de toi que j'en pleurerai. Et voilà. Ok, j'ai mérité ta réaction. Mais c'est pas rien. J'aimerais te le montrer, d'accord? Rejoins-moi au parc dans 10 minutes. Au parc? Pourquoi? Pour voir si tu pourras le trouver. Ça fonctionne. Très bien, Kira. Maintenant, essaie de te remémorer la journée des sports. Souviens-toi de tout ce que tu as vu au cours de cette mission. Je suis à nouveau dans la jungle. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où se trouve cette jungle? Non. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a des éléments naturels particuliers? Je vois une colline. Il y a 3 vieux bâtiments. Décris-les-moi. Ils sont en ruine. On dirait d'anciens temples. Le temple du Lotus Pourpre. Est-ce que tu vois quoi que ce soit d'autre? Ouais, je crois. J'arrive pas à voir ce que c'est. Rapproche-toi. Le cobra. Je vois quelqu'un. Tout va bien? J'ai vu quelqu'un. Qui? Je crois que c'est Vanak, le triêtre qui a créé le Lotus Pourpre jadis. J'ai toujours cru que ce temple n'était qu'un mythe, mais la connexion entre Kira et lui est indéniable. Tu as une idée de ce qui se passe? J'espère qu'on le découvrira très vite. Kira, tu te sens prête à réessayer? Vanak a les 3 clés. Qu'est-ce qui se passe? Ils me montrent où elles vont. Apinia, il faut arrêter. Pas tout de suite. Où se trouve ce temple? Kira! Quoi? Je crois qu'on a besoin de faire une pause. C'est pas juste. Pourquoi j'arrive pas à faire des farces? Parce que tu es gentille, bienveillante et que tu veux toujours le meilleur pour tout le monde. En somme, parce que tu penses comme une fée. Et donc? Donc, si tu veux battre Imogène, il faut que tu sois sournoise, irrespectueuse et désagréable. Tu veux dire que je dois penser comme une elfe? Exactement. Imogène? Imogène! Imogène! Où est-ce que t'es? Imogène! Mais où tu te caches? Imogène! T'es là! Imogène! Attends, Imogène. Pas... Attends! Imogène! T'es aide-moi! Je peux plus en sortir! Imogène! Oh, c'est une blague ou quoi? Non, je le crois pas.
vite! Derrière toi! Dans le tronc d'arbre! Imogène? Je peux savoir ce que tu fais là-dedans? Je suis coincée! Et comment... Peu importe comment, faut absolument que t'ailles au Gangway Café! Pourquoi? T'as une petite soif, c'est ça? Non. Pourtant, t'as l'air plutôt bien hydraté. Va chercher Taylor, tout de suite. Je ne pense pas qu'il soit prudent d'insister. Je trouve que ça devient un peu trop dangereux. Ce n'est pas l'objectif. Identifier le danger afin que Kira puisse y faire face. Elle ne devrait pas y retourner. Professeur, cette histoire ne sera pas terminée tant qu'on n'aura pas trouvé la troisième clé. Peut-être que Kira verra quelque chose qui pourra nous aider. Kira? Je veux continuer. Qu'est-ce que tu vois? Vanak est là. Il a l'orbe. Qu'est-ce que Vanak fait avec l'orbe? Il l'envoie à la statue du cobra. Arrête ça immédiatement! Ce n'est qu'une vision, ça ne peut pas la blesser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? L'orbe est entrée dans la statue. Je crois que Vanak essaie de me transmettre un message. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Vanak! C'est moi! Kira! 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 Ça va! Ça va! Va te reposer, Kira. Dès que tu seras prête, on recommencera. Il faut absolument que tu trouves cette troisième clé. Non! Comment ça, non? Kira, on a déjà assez fait. On arrête tout, c'est fini! Je crois pas que t'en fais un peu trop, là. S'il faut que j'agisse comme une elfe, il faut que je ressemble à une elfe. Je vois une jolie cible à 2 heures. Appelle-moi la reine des farces. Cette pauvre fille a sûrement passé des semaines à tricoter ça. Peut-être même des mois. C'était peut-être une écharpe pour sa mère, ou pour sa grand-mère qui est malade. Oh, mais je suis un monstre, c'est horrible. Comment on peut aimer faire des farces aux gens? Au moins, tu sais que t'es capable de le faire. J'aurais préféré ne jamais l'être. Sympa, ta tenue, tu te convertis en elfe? Absolument pas, aucune chance. Salut Peter, quoi de neuf? Il faut que tu viennes avec moi au parc. C'est Imogène. Tu es entrée, tu peux pas en ressortir? Des conseils sur la façon de procéder? Tu dois juste inverser la sensation que t'as eue en entrant dans l'arbre. Au lieu de sentir que tu te fonds dans le bois, imagine simplement que tu t'en éloignes. Tu pourrais pas juste agiter ta baguette? Je croyais que tu voulais maîtriser la magie des fées. Très bien. Alors, dis-moi comment faire. Ne réfléchis pas trop. Tu dois juste le sentir. Tu peux y arriver. Fais-moi confiance. Ça fonctionne. Continue, c'est parfait. Toutes mes félicitations. T'as gagné, on dirait. T'as réussi à faire aucune farce? Oh si, j'en ai fait une. Et j'ai détesté ça. De mon côté, c'est pas non plus une grande réussite. Et si vous reconnaissiez simplement que c'est un match nul? Impressionnant.
Non seulement tu as réussi à maîtriser une compétence magique très difficile, qui en plus est une compétence de fée, mais tu t'en es servi avec succès pour piéger le taquin. Le DM serait impressionné. Est-ce que tu as appris à faire ça toute seule? J'ai eu un peu d'aide. Et même si le fait de me voir a été un choc, je n'ai pas vraiment eu peur. C'était comme si je me donnais des instructions. Donc Maxwell a eu raison de faire appel à Apinia. On sait maintenant ce que le Cobra a essayé de te dire. Que Vanak a besoin d'un triêtre possédant la magie de l'orbe pour trouver les clés. C'est-à-dire de toi? Oui. Ça te réjouit pas vraiment, on dirait. Chaque fois que j'utilise cette magie, il se passe de mauvaises choses. Il vaut mieux que je ne l'utilise plus. Mais on en a besoin pour trouver la troisième clé. Désolée, Dany. La magie de l'orbe et moi, c'est fini.